Bonjour, c'est Fleury 42, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, que vous êtes confortablement allongé au sable devant la mer avec votre smartphone et vos écouteurs, avec le petit bruit des vagues qui retentit. Bref, et bienvenue sur l'Obscur Clan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tout simplement vous présenter la meilleure classe selon moi sur Call of Duty Black Ops 3. Je vais vous présenter le gameplay, etc. Donc le gameplay, tout simplement, c'est une double nucléaire réalisée par Obscur BN, un gros GG à lui. N'hésitez pas à aller le féliciter tout simplement dans les commentaires et passer faire un tour sur sa chaîne. Il est bientôt aux 300 abonnés. Franchement, abonnez-vous un maximum à sa chaîne. Il propose vraiment des gros gameplays et des très bonnes vidéos. Bref, aujourd'hui simplement vous présenter la meilleure classe sur Call of Duty, qui est tout simplement, selon moi, donc on va partir avec la Weevil. Donc le gameplay, c'est tout simplement, comme je vous le dis, une double nucléaire à la Weevil. Donc la classe avec laquelle le player BN jouait, c'est tout simplement la classe que je vais vous présenter. Et vous allez voir, vraiment, elle envoie du lourd, de la patate, tout ce que vous voulez. Et vraiment, elle met 2 balles. Bref, je vais vous la présenter, je vous l'affiche à l'écran rapidement. Donc c'est tout simplement la Weevil, qui est tout simplement une classe surcheatée avec ce que je vais vous donner, tout simplement. C'est parti, vous l'équipez tout simplement d'abord d'un chargeur rapide. Donc le chargeur rapide, c'est très important pour pouvoir rapidement enchaîner les ennemis. Il faut savoir que cette classe, vous pouvez l'utiliser que ce soit en hardcore ou bien en normal. Bref, vraiment, elle reste surcheatée. Bref, vous mettez tout simplement, comme je vous l'ai dit, le chargeur rapide dessus. Vous mettez également la poignée ergonomique. Vous mettez la crosse. La crosse, c'est vraiment surcheatée sur la Weevil. Franchement, déjà, c'est une classe, enfin, c'est une arme vraiment qui envoie du lourd. Mais alors, en plus, avec les accessoires, franchement, ça envoie encore plus de la patate. Vous mettez donc, je récapitule ce que vous mettez. Vous mettez en premier, vous mettez le chargeur rapide. Ensuite, vous mettez la poignée ergonomique. Ensuite, vous mettez la poignée avant. Ensuite, vous mettez la crosse. Une fois que vous avez mis ça en atout, vous mettez sur cadençage. Pourquoi sur cadençage? Tout simplement pour avoir plus rapidement votre spécialiste. Je reviendrai juste après sur le spécialiste. En atout 2, vous mettez tout simplement pillard. Donc pourquoi pillard? Tout simplement, bah, j'ai pas besoin de préciser. J'aime plus ce que je dis. Voilà, pillard pour justement ne pas être en manque de balles, enfin de munitions plutôt. Et en troisième, vous mettez masque tactique pour pas que les gens vous tuent avec des grenades ou bien des flashs, etc. Bref, maintenant je vais vous expliquer. Enfin, je vais vous présenter rapidement pourquoi j'ai mis tel accessoire. Donc déjà, pourquoi mettre le chargeur rapide? Ça, comme je vous l'ai expliqué, tout simplement, c'est important pour pouvoir, excusez-moi, enchaîner les ennemis. Donc mettez un chargeur rapide, ou bien c'est comme vous voulez, soit vous mettez un chargeur rapide, soit un chargeur grande capacité. Mais c'est préférable de mettre un chargeur rapide. Voilà, vous tuez quelques ennemis, vous rechargez rapidement, vous en tuez d'autres, vous enchaînez vraiment super rapidement avec le chargeur rapide. Donc mettez-le, c'est important. Bref, ensuite, une fois que vous avez mis le chargeur rapide, pourquoi mettre la poignée ergonomique? Donc pour justement avoir la visée un peu plus rapidement que l'ennemi. Donc il faut savoir une chose, c'est que si vous mettez l'atout main leste, quand vous allez par exemple courir ou quoi, vous allez viser plus rapidement l'ennemi. Mais là, comme je vous l'ai dit, c'est mieux de mettre pierre pour les gens qui veulent enchaîner des nucléaires ou quoi. Donc à la place de mettre main leste, vous mettez la poignée ergonomique. C'est ce qui va simplement vous permettre de tuer les ennemis, enfin d'avoir justement un tout petit avantage, au moins d'une balle sur l'ennemi, et viser plus rapidement que lui. Voilà. Ensuite, pourquoi mettre la crosse? Tout simplement parce que la crosse, bon bah ça, je pense, j'ai même pas besoin de vous en parler. C'est un accessoire sur la Weevil qui est indispensable. Si vous jouez sans ça, franchement, essayez de mettre la crosse et essayez de jouer sans. Vous allez voir, il y a une grosse différence et vous allez voir que vous allez moins enchaîner, etc., les ennemis. Ensuite, pourquoi une poignée avant? Tout simplement parce que la Weevil, et c'est très important de mettre une poignée avant. Donc moi, personnellement, je mettrais une poignée avant. Après, si vous voulez mettre un canon long, c'est vraiment plus préférable de mettre un canon long sur la Weevil pour pouvoir justement avoir une meilleure portée et mettre... franchement beaucoup moins de balles. Voilà, essayez la classe et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à féliciter le player pour ce magnifique gameplay à la Weevil. Vous mettez cette classe et vous allez voir, vous allez en faire autant au niveau du gameplay. Bref, en tout cas, essayez vraiment la classe et dites-moi sur Twitter. Venez sur le Twitter de l'Obscur Clan, envoyez-nous vos screens. Donc voilà, si vous testez la classe, n'hésitez pas à nous envoyer des screens de vos scores ou bien même de la classe sur Twitter. Je me ferai un malin plaisir d'aller voir sur le Twitter de l'Obscur Clan qui est bien évidemment en description. N'hésitez pas également à passer sur ma chaîne pour voir ce que je vous propose.
choses. Voilà. Donc, en tout cas, je vous recommande vraiment cette classe. Elle est pas, je l'ai pas choisie au hasard. C'est vraiment une classe qui est vraiment surtweetée. Donc, essayez-la. Franchement, je vous incite tous à l'essayer. Excusez-moi, j'arrive plus à parler. Bref, essayez vraiment cette classe et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez également qu'il y a des accessoires que on ne devrait pas mettre sur cette classe, ou même des atouts qu'on ne devrait pas mettre échangés par d'autres accessoires ou bien atouts, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Moi, je me ferai un malin plaisir de les lire et de modifier un peu sur la classe. En tout cas, pour moi, pour l'instant, c'est ça la meilleure classe. C'est la classe que je vous ai proposée. Je vous la raffiche une dernière fois à l'écran pour que vous preniez le temps de simplement de la faire. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Donc voilà, faites pause sur la vidéo et dites-nous ce que. Faites la classe tout simplement et dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, moi j'ai rien à rajouter sur cette vidéo. Encore une fois, félicitez le player dans les commentaires. Allez voir sa chaîne, il propose vraiment du très très bon contenu. N'hésitez pas également à passer sur ma chaîne si vous voulez voir, excusez-moi, d'autres types de commentaires. Voilà, moi j'ai rien à rajouter. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!